man, it was so intense. I didn't want to cry, but I couldn't. Keep the tears in my head. You wear this yellow jersey again. What does it represent for you? It's such an iconic jersey, so I'm really proud I have it already, and yeah, it just happened. C'est pas une grande surprise, je dirais, mais elle a quand même vraiment été impressionnante parce qu'elle a mis pas mal de temps à tout le monde, même sur des filles comme Daggert par exemple. Donc non, bravo, elle, c'était impressionnant. Can we expect a battle for the GC today with all the favorites of the GC? Yeah, I think everybody who lost a little bit of time yesterday, for sure they want to try to race hard and yeah, try to force something in the general maybe already. So we will see. It's really a nice parcours, and I think it will be the first GC day, so it will be really a spectacular day. Will you be on the front? Yeah, I will try. It will be hard because I think so much people want this jersey today. We will try and let's see what it brings. My goal is more like to be a really good helper, to be there for the team whenever they need me, as long as possible, for as many climbs as possible, and then hopefully they make a good and fast finish. Grace Brown wins the sprint for FDJ Suez. Avec dans l'équipe la vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, Grace Brown, cette année, c'est un atout. Oui, c'est sûr, on arrive avec forcément un peu de confiance et on est vraiment ultra motivé. On a la dernière qui a franchi la ligne en date. Donc voilà, clairement, on a une équipe très forte et on va essayer de déjà regagner un peu de temps au général et d'essayer d'aller chercher cette victoire d'étape. Il y aura déjà une bataille pour prendre l'échappée avec pas mal de filles et derrière, il y aura une belle bataille pour le général. Je pense qu'on peut s'attendre à pas mal de scénarios, mais dans tous les cas, dans le final, ça va être dur et il faudra être fort. Ravi de vous retrouver pour cette quatrième étape au parfum de classique Flottenerd d'Amstel Gold Race et de Liège-Bastogne-Liège aujourd'hui. Ah, il Flottenerd de classique et puis il pleut aussi. Et puis il flotte tout simplement, il pleut. Je n'osais pas le dire. Une femme en tête, il s'agit de l'Espagnole de l'équipe Movistar, Sara Martin, qui s'est échappée il y a quelques instants. Il y a eu énormément d'attaques. Les UAE avec notamment Silvia Persico, l'Italienne. Elle est pour l'instant virtuelle leader au classement de la montagne. Elle a détrôné Tonetti dans ce classement. Après le contre-la-montre, la femme de tête se lance dans un nouvel effort solitaire. Sara Martin prend rapidement une minute d'avance sur le peloton, mais ses chances de succès semblent bien minces. L'Espagnole passe en tête au sprint intermédiaire de Pepinster. Quelques secondes plus tard, le peloton s'explique dans la course au maillot. Charlotte Coliba et Charlotte Marianne Voss aussi. Et finalement Lorena Wiebes est là et elle est deuxième derrière Charlotte Cole qui engrange encore des points pour le maillot vert. Cette accélération des équipes de sprinteuses provoque des cassures au sein du peloton. Parmi les lâchés, Grace Brown, pourtant vainqueur à Liège il y a quelques mois. Devant, Sara Martin doit elle mettre pied à terre à cause du passage d'un train. Pendant quelques instants, la course est totalement figée. Passage à niveau fermé ici, donc on va peut-être garder les écarts entre Sara Martin et le peloton, 30 secondes. Au nouveau départ, la course s'emballe, Sara Martin cale dans le monteux et se fait reprendre. Les leaders se montrent et le rythme s'accélère sous l'impulsion notamment de la Phoenix de Koenig qui avait coché cette journée. We have high expectations with GC, so today is the first day that is really important for that. Castellane qui va faire le sprint au sommet. Et Castellane qui passe en tête. Qui marque 3 points. Justine Guéquer en deuxième position. 10 km pour souffler que le groupe de tête attaque la côte de la Redoute avec ses passages à 11%. L'écrémage se fait par l'arrière et seules les plus fortes parviennent à tenir. Décidément en vue, la Phoenix de Koenig par l'intermédiaire de Puck Pieterse passe encore en tête au sommet devant Nivadoma et Voleri. On assiste à une véritable classique, tant dans le parcours que dans la météo pluvieuse digne du mois d'avril belge. Tout le monde roule à bloc et les tentatives se multiplient. Dans la Côte des Forges, Justine Guéquer surgit dans les derniers contreforts pour aller chercher les points. La Belge ne se relève pas et tente le tout pour le tout. Problème, Demi Vollering décide de prendre les choses en main dans la dernière montée, la côte de la Rochefoucauld. Ça accélère pour Demi Vollering. Vollering, Nivadoma, Pieterse, Royacker, Skaredas pour ce final, mais la patronne ne veut pas rouler. Vollering le fait savoir à sa rivale Nivadoma.
mais lâchée de haut rang. Juliette Labousse, Evita Musique ou encore Gaïa Réalmi ne parviennent pas à rentrer, alors la maillot jaune se dit qu'elle a une belle occasion de créer des écarts. Seul Nivadoma et Peter C peuvent suivre le rythme, les derniers pièges se passent sans encombre. Le trio se joue la victoire à Liège. Et l'attaque de Katarzyna Nevadoma qui part seule. Justement, elle est moins rapide au sprint, elle le sait, c'est bien joué de la part de la Polonaise. Mais Demi Vollering qui réagit. Avec Peter, c'est qui joue bien, hein, qui laisse faire Demi Vollering. Voilà, le classement général, c'est entre vous deux. Moi, je vous laisse faire. Et voilà, et c'est parti. Elle déclenche la néerlandaise, pourquoi pas aller s'imposer. La jeune néerlandaise, Peck Peter, c'est oui. Demi Vollering qui est en train de remonter, qui remonte et la victoire. Ouais, photo finish, sans doute. Derrière, c'est le groupe Faulkner, Evita Music, Juliette Labousse qui va essayer de limiter les dégâts. 28 secondes le retard. Ah, Puck Peter, ça y est, c'est fait, Nicolas. Et bien voilà, c'est sa première victoire professionnelle. It's quite unbelievable actually. Yeah, I don't know, the last few days I had super good legs. First day I had good legs, second day I had good legs. And today I didn't feel my legs at all. To take the win here in a sprint against Demi, that's really a dream come true. D'une demi-roue, Puck Peter C remporte donc sa première victoire sur route. Vollering et Nivadoma se consolent avec les bonifications. Derrière, les autres favorites terminent à près de 30 secondes du trio de tête. Le maillot jaune est lui un peu plus sur les épaules de Demi Vollering. La néerlandaise a une nouvelle dauphine, Puck Peter C, mais sa plus proche rivale, Cassia Nivadoma, est à plus de 30 secondes. Marianne Vos lâchée dans la dernière montée, Charlotte Cole termine la journée en consolidant son maillot vert. 120 points pour la néerlandaise, près de 50 d'avance sur son aîné. Comme prévu, le maillot à poids change d'épaule. Puck Peter C est celle qui a été la plus régulière dans les dernières difficultés. Avec 10 unités, elle s'empare du maillot. La vainqueur du jour, décidément à la fête, la spécialiste du cyclocross prend la tête du classement du maillot blanc et violet de meilleur jeune. Demain, début de la deuxième moitié du tour et arrivée sur le sol français, les coureuses rallieront à Neuville au départ de Bastogne, avec encore des difficultés sur le parcours.